Le conflit entre Marx et Bakounine entre 1864 et 1872. Avec quelques camarades, nous avons décidé ensemble de tenter d'éclairer les origines de ce conflit célèbre à partir des textes, à partir des sources, en tentant de ne pas ajouter un commentaire qui ferait état de nos points de vue personnels. La période considérée s'étend entre 1864 et 1872, comme je viens de le dire. Pourquoi ces deux dates? En 1864 est fondée l'Association internationale des travailleurs, ou AIT, à Londres. En 1872, le conflit se termine de manière violente ou dramatique, puisque Bakounine est expulsé avec ses amis de l'Association internationale des travailleurs au congrès de La Haye. De manière très succincte, il s'agit, pour mieux comprendre les propos qui vont être tenus, de repérer quelles sont les similitudes et les différences entre ces deux titans de la pensée révolutionnaire. Similitudes tout d'abord. Marx et Bakounine sont tous deux matérialistes, donc athées, et tous deux estiment que la révolution ne peut se produire que par une action massive du prolétariat. Les différences entre les deux protagonistes peuvent se situer à trois niveaux. Premier niveau, leur conception politique. Tout d'abord, Marx défend l'idée que, dans un premier temps en tout cas, l'État devra avoir toute sa place dans l'organisation de la société. En face de lui, Bakounine estime que l'État doit être supprimé immédiatement, sans attendre, et que la société doit être organisée sur des bases communaliste et fédéraliste. Sur le plan maintenant des causes, en fait, de l'organisation de la société telle qu'ils la connaissent à leur époque, dans son analyse, Marx accorde une priorité absolue à l'économie, alors que Bakounine estime que Marx sous-estime un certain nombre de facteurs, qu'ils soient politiques, juridiques et nationaux. Aux yeux de Marx, tous ces facteurs appartiennent en fait à la superstructure, à l'idéologie. Enfin, quant aux acteurs et quant à la méthode, en ce qui concerne les acteurs, Marx considère que le sujet de la révolution, c'est le prolétariat, mais pas n'importe quel prolétariat. En fait, il s'agit du prolétariat organisé. Et ce prolétariat organisé, en fait, il ne peut se trouver que parmi les ouvriers qualifiés. Alors que pour Bakounine, au contraire, les forces vives de la révolution se trouveront dans ce que Marx appelle le lumpenprolétariat, c'est-à-dire un sous-prolétariat de précaires, de gens qui n'ont vraiment... qui n'ont plus rien à perdre du tout. Quant à la méthode, maintenant, Marx explique que pour réussir, la révolution doit être menée par une avant-garde révolutionnaire et, autrement dit, par un parti communiste qui prendra la tête de la révolution. En revanche, Bakounine considère, lui, que pour pouvoir réussir, la révolution doit être spontanée et partir des forces instinctuelles de la foule. Je m'en tiendrai là donc pour cette introduction. Il me reste à vous présenter les deux protagonistes, ou plus exactement,
les deux camarades qui vont jouer le rôle de Bakounine et de Marx. Donc c'est Hélène à ma gauche qui jouera le rôle, qui va prêter sa voix à Bakounine, et sur ma droite, et quand je dis droite, il ne faut y voir évidemment aucune allusion ou métaphore, à ma droite se trouve Marie qui, elle, va prêter sa voix à Karl Marx. Nous commençons donc tout de suite par une rencontre qui va avoir lieu le 3 novembre 1864, où Marx relate à Engels son entrevue donc avec Bakounine. Bakounine t'envoie le bonjour. Il est parti aujourd'hui pour l'Italie, Florence, où il réside. Je l'ai revu hier pour la première fois depuis 16 ans. Je dois avouer qu'il m'a plu beaucoup, plus qu'autrefois. C'est, en résumé, un des rares hommes chez qui, après 16 ans, je constate du progrès et non pas du recul. Bakounine relatera cette entrevue où ils se quittèrent, je le cite, « extérieurement très bons amis ». Fin de citation. Marx, à cette occasion, l'a invité à soutenir l'Association internationale des travailleurs, dont la fondation est toute récente. Le ton va changer quand Bakounine entre dans l'internationale. Bakounine était entré dans la branche romande de l'internationale, à Genève. Il avait fallu des années pour qu'il se décidât à faire ce pas. Mais il ne fallut pas un jour pour que M. Bakounine résolût de bouleverser l'internationale et de la transformer en son instrument. Derrière le dos du Conseil général, qui fut renseigné seulement lorsque tout sembla prêt, il fonda l'Alliance des démocrates socialistes. La société s'annonçait ainsi dès le début comme une société destinée à faire la propagande spéciale de la science occulte bakounienne. Et Bakounine lui-même, l'un des hommes les plus ignorants sur le terrain de la théorie sociale, figure ici, tout à coup, comme fondateur de secte. Une année après, en 1871, Bakounine montre son admiration pour Marx, mais il considère que néanmoins, ce dernier possède un certain nombre de défauts. Marx est un homme d'une très grande intelligence et, de plus, un savant dans le sens le plus étendu et le plus sérieux de ce mot. C'est un économiste profond. Ensuite, Marx est passionnément dévoué à la cause du prolétariat. Nul n'a le droit d'en douter, car voici bientôt 30 ans qu'il la sert avec une persévérance et une fidélité qui ne se sont jamais démenties. Il a donné toute sa vie à cette cause. Voilà ses services. Maintenant, toute médaille à son revers, toute lumière à son ombre, et tout individu humain a ses défauts. C'est pourquoi il ne faut jamais confier le pouvoir sur la grande collectivité populaire ni à un seul homme, quelque homme de génie couronné de vertu qu'il soit, ni à une minorité, quelque intelligente et bien pensante qu'elle soit. Parce que, suivant une loi inhérente au pouvoir lui-même, tout pouvoir entraîne nécessairement avec lui l'abus de pouvoir, et tout gouvernement, fût-il même nommé par le suffrage universel, tend fatalement au despotisme. Marx a donc ses défauts. Les voici. 1. D'abord, il a celui de tous les savants de profession. Il est doctrinaire. Il croit absolument en ses théories et, du haut de ses théories, dédaigne tout le monde. Il en est arrivé à se considérer très sérieusement comme le pape du socialisme, ou plutôt du communisme, car il est, par toute sa théorie, un communiste autoritaire, voulant l'émancipation du prolétariat par la puissance centralisée de l'État. 2. À cette adoration de lui-même, dans ses théories absolues et absolutistes, s'est jointe en Marx, comme une conséquence naturelle, la haine
non plus contre les bourgeois seulement, mais contre tous ceux, même les socialistes révolutionnaires, qui osent le contredire et suivent un ordre d'idées différentes de ces théories. Le mal est dans la recherche du pouvoir, dans l'amour du gouvernement, dans la soif de l'autorité. Et Marx est profondément atteint de ce mal. 3. Sa théorie s'y prête beaucoup. Il est un communiste autoritaire et partisan de l'émancipation et de l'organisation nouvelle du prolétariat par l'État. Par conséquent, de haut en bas, par l'intelligence et la science d'une minorité éclairée, professant naturellement des opinions socialistes et exerçant, pour le bien même des masses ignorantes et stupides, une autorité légitime sur elles. Nous allons passer maintenant à la vision que Bakounine et Marx ont des forces révolutionnaires. D'une manière simplifiée, on peut dire que pour Marx, et je l'ai déjà dit dans l'introduction, les révolutionnaires par excellence se trouveront parmi les ouvriers qualifiés, c'est-à-dire parmi l'aristocratie du prolétariat. On trouvera également ces forces révolutionnaires parmi les citadins, et tous ces révolutionnaires, pour pouvoir être efficaces, fonctionneront dans le cadre d'une hiérarchie. Pour Bakounine, au contraire, ce ne sont pas chez les ouvriers qualifiés que l'on trouvera les révolutionnaires, mais plutôt dans le lumpenprolétariat, c'est-à-dire dans un sous-prolétariat, parmi des ouvriers qui n'ont aucune qualification, qui sont précaires et qui sont donc beaucoup plus enclin à la révolte. Bakounine estime ensuite que, contrairement à Marx, ce n'est pas seulement dans les villes que l'on trouvera des révolutionnaires, mais qu'il va falloir que les paysans eux-mêmes vont se mobiliser. Enfin, je l'avais indiqué également dans l'introduction, Bakounine n'a pas une vision hiérarchique de ces forces révolutionnaires, il considère au contraire que les forces révolutionnaires sont mues par l'instinct, par une sorte d'élan vital, autrement dit, sa vision est spontanéiste. Pour les deux personnages, la situation économique est la base de la révolution sociale. On va voir maintenant, ou plutôt on va écouter ce que Marx pense de la position de Bakounine et quelle motivation il donne à la révolution sociale. Une révolution sociale radicale est liée à certaines conditions historiques du développement économique qui en sont les prémices. Elle n'est donc possible que là où, par la production capitaliste, le prolétariat industriel occupe pour le moins une place importante dans la masse du peuple. Monsieur Bakounine ne comprend absolument rien à la révolution sociale, si ce n'est les phrases politiques la concernant. Ses conditions économiques n'existent pas pour lui. Comme toutes les formes économiques, évoluées ou non, impliquaient jusqu'à présent l'assujettissement du travailleur, salarié, paysan, etc., il croit que pour toutes ces formes, une révolution radicale est possible. La volonté et non les conditions économiques, telle est la base de sa révolution sociale. La question de la nécessité ou pas d'un parti politique est posée par Marx et par Bakounine. Pour Marx, le parti politique s'impose, et c'est d'ailleurs la solution qui va être adoptée finalement et qui est une des causes essentielles de la rupture entre les deux protagonistes. Donc, le parti politique est un outil essentiel pour préparer la révolution. Pour Bakounine, au contraire, l'action révolutionnaire n'est pas possible au sein
du système politique bourgeois. Inévitablement, en créant un parti politique, on va créer une nouvelle caste, donc une nouvelle aristocratie, en tout cas un groupe dominant, et par conséquent, ce groupe dominant prétendra mieux connaître que les autres, que le reste du prolétariat, ce qui est bon et ce qui n'est pas. Autrement dit, on peut dire qu'il s'agit d'une position de type clérical. Le dimanche 8 septembre 1872, pour clôturer le congrès, plusieurs discours publics ont lieu à Amsterdam. Celui de Marx résume à sa manière les décisions de La Haye. Le congrès de La Haye a fait trois choses principales. Il a proclamé la nécessité pour les classes ouvrières de combattre sur le terrain politique comme sur le terrain social la vieille société qui s'écroule. Et nous nous félicitons de voir entrer désormais dans nos statuts cette résolution de la conférence de Londres. Un groupe s'était formé au milieu de nous, préconisant l'abstention des ouvriers en matière politique. Nous avons tenu à dire combien nous considérions ces principes comme dangereux et funestes pour notre cause. L'ouvrier doit saisir un jour la suprématie politique pour asseoir la nouvelle organisation du travail. Les bakounistes vont réagir à la fin 1872. Ils vont se rendre à Saint-Imier, où ils vont rejoindre Bakounine et ses amis russes, ainsi que les Italiens déserteurs de La Haye. Le 15 septembre s'y déroule d'abord le congrès jurassien, puis le congrès anti-autoritaire international prévu à Neuchâtel. Quatre commissions présentèrent en assemblée générale quatre résolutions principales adoptées à l'unanimité. C'est la troisième résolution que l'on va entendre maintenant sous forme d'extrait, donc de la part de Bakounine. Vouloir imposer au prolétariat une ligne de conduite ou un programme politique uniforme comme la voie unique qui puisse le conduire à son émancipation sociale est une prétention aussi absurde que réactionnaire. Toute organisation politique ne peut rien être que l'organisation de la domination au profit d'une classe et au détriment des masses. Et que le prolétariat, s'il voulait s'emparer du pouvoir, deviendrait lui-même une classe dominante et exploitante. Le congrès réuni à Saint-Imier déclare 1. Que la destruction de tout pouvoir politique est le premier devoir du prolétariat. 2. Que toute organisation d'un pouvoir politique soi-disant provisoire et révolutionnaire pour amener cette destruction ne peut être qu'une tromperie de plus et serait aussi dangereuse pour le prolétariat que tous les gouvernements existants aujourd'hui. 3. Que, repoussant tout compromis pour arriver à l'accomplissement de la révolution sociale, les prolétaires de tous les pays doivent établir, en dehors de toute politique bourgeoise, la solidarité de l'action révolutionnaire. Marx, Bakounine, va écrire, nous possédons un manuscrit de Bakounine, contre Marx. L'Alliance section de l'International à Genève avait traduit et commenté ce paragraphe des considérants en ce terme. L'Alliance repousse toute action politique qui n'aurait point pour but immédiat et direct le triomphe des travailleurs contre le capital. En conséquence de quoi, elle se posait pour but
l'abolition de l'État, de tous les États, et l'organisation de l'association universelle de toutes les associations locales par la liberté. Par contre, le Parti de la démocratie socialiste des ouvriers allemands, fondé dans la même année sous les auspices de Marx, annonçait dans son programme que la conquête du pouvoir politique était la condition préalable de l'émancipation économique du prolétariat. Et que, par conséquent, l'objet immédiat de ce parti devait être l'organisation d'une large agitation légale pour la conquête du suffrage universel et de tous les autres droits politiques. Son but final, c'est l'établissement du grand État pan-germanique et soi-disant populaire. Entre ces deux tendances, on le voit, il existe la même différence, le même abîme qu'entre le prolétariat et la bourgeoisie. Faut-il s'étonner après cela qu'elles se soient rencontrées dans l'international comme des adversaires irréconciliables et qu'elles continuent de s'y combattre sous toutes les formes et dans toutes les occasions possibles encore aujourd'hui. Se pose enfin un dernier problème, celui de la nécessité ou non d'un État ou de l'État. Quels sont donc les moyens que Bakounine et Marx envisagent pour réaliser le projet collectiviste, puisque tous deux sont d'accord sur cette idée de collectivisme. Bakounine veut l'abolition immédiate de l'État. Marx, au contraire, veut la dictature du prolétariat, puis, dans un second temps, l'abolition de l'État. Entre mai et juillet 1873, Bakounine avait entrepris la rédaction d'une œuvre destinée à la Russie. Étatisme et anarchie, sous-titre « La lutte des deux partis dans l'Association internationale des travailleurs », écrit en russe. Une fois de plus, ce texte apparaît comme écrit au fil de la plume. Seule la première partie de l'avant-propos fut rédigée et publiée en russe à Genève et à Zurich. Elle représente néanmoins un volume de 332 pages. Synthèse renouvelée des idées de Bakounine, à la fois œuvre politique et historique, malgré sa rareté, elle va trouver, en 1874-75, un lecteur critique et attentif en la personne de Karl Marx. Cette attention révèle un tourment profond chez Marx. Il n'a toujours pas réussi à abattre définitivement pour lui-même les théories anarchistes. De l'ensemble des notes critiques de Marx sur étatisme et anarchie, on entendra de la part dans la bouche de Marx, mais aussi de Bakounine, la partie principale où donc le texte de Bakounine est cité, donc de manière, il va s'agir donc d'une sorte de dialogue croisé, donc entre les deux personnages. Donc Bakounine commence et Marx va directement lui répondre. Qui dit État dit nécessairement domination et, par conséquent, esclavage. Un État sans esclavage, avoué ou masqué, est inconcevable. Voilà pourquoi nous sommes ennemis de l'État. Que signifie le prolétariat organisé en classe dominante ? Cela signifie que le prolétariat, au lieu de lutter isolé contre les classes économiquement privilégiées, est devenu suffisamment puissant et organisé pour employer contre elles des moyens de coercition généraux. Mais il ne peut employer que des moyens économiques qui suppriment son propre caractère de salarié.
et par conséquent de classe. Aussi, avec sa victoire totale, en est-il fini de sa domination, car son caractère de classe a disparu. Dans la théorie des marxistes, le dilemme est tranché très simplement. Par gouvernement populaire, ils entendent le gouvernement du peuple au moyen d'un petit nombre de représentants élus par le peuple. Asiné, c'est du verbiage démocratique, du radotage politique. L'élection est une forme politique. Le caractère de l'élection ne dépend pas de cette dénomination, mais au contraire de la base économique, des rapports économiques entre les électeurs. Et du moment que les fonctions ont cessé d'être politiques, premièrement, il n'existe plus de fonctions gouvernementales, deuxièmement, la répartition des fonctions générales est devenue affaire pratique, qui ne donne aucun pouvoir, troisièmement, l'élection n'a rien de son caractère politique actuel. Bakounine va mettre en garde contre l'effet du pouvoir. Le gouvernement de l'immense majorité des masses populaires par une minorité privilégiée. Mais cette minorité, disent les marxistes, se composera d'ouvriers. Oui, certes, d'anciens ouvriers, mais qui, dès qu'ils seront devenus des gouvernants ou des représentants du peuple, cesseront d'être ouvriers et se mettront à regarder le monde prolétaire du haut de l'État, ne représenteront plus le peuple, mais eux-mêmes et leurs prétentions à le gouverner. Qui en doute ne connaît pas la nature humaine. Nous espérons, avec cet exposé que nous avons espéré didactique, avoir informé les auditrices et les auditeurs sur le conflit Marx-Bakounine.